Caraxiens, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une patate d'enfer aujourd'hui. Je vais vraiment super bien. J'ai la patate. Vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo. Des courgettes énormes. Bonne vidéo. Moi, j'ai la patate. Déjà parce que vous avez vu que j'ai attrapé le Covid-19. Et le Covid-19, je lui ai fait BIM dans ton cul. Eh oui, c'est pas comme si le Covid-19, il allait passer par moi. Ah, comment je l'ai laminé, comment je l'ai défoncé. J'ai été malade pendant 2 jours. J'ai prié à peu près pendant 24 heures. Une grosse prière, une grosse incantation. Et le Covid-19, il s'est barré les poteaux, il s'est barré grâce à l'amour. Gloire à Dieu notre Seigneur, gloire à Dieu. Grâce à l'amour, dans la joie, le Covid-19, il s'est barré. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir, et comme quoi on peut s'en sortir. Donc juste par rapport à ça, et après on va parler des courgettes, mais si vous avez le Covid-19, ne soyez pas dans les médicaments, ne soyez pas dans « on va aller voir le médecin, il faut prendre un aspirine, la peur ». Non, ne soyez pas dans la peur, soyez fort, battez-vous à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose de très, très, très fort. Là, à l'intérieur de vous, là, le Tché, cette force. Et priez notre Seigneur Jésus. Priez. Et la prière fait que vous allez voir le Covid. Vous allez lui tordre le cou. Voilà, pour la petite histoire du Covid-19. Donc cette fois-ci, on n'en parle plus. Alors, je voulais vous parler des courgettes énormes. Effectivement, regardez-moi ça. Ça vient du potager, ça. Boum, une première courgette. Boum, les jambes. Boum, deuxième courgette. Boum, troisième courgette. Incroyable, toutes ces courgettes. Ah, les courgettes du jardin. 3 courgettes. 4 courgettes, parce que j'ai aussi décidé de ramasser des petites, parce que là, je commence vraiment à en avoir beaucoup. Et puis, il y a plein de poires dans mon jardin en ce moment. Donc, si vous avez des fruits dans votre jardin, vraiment, n'hésitez pas à les ramasser et à les manger. Vous savez que moi, je consomme et je mange bio. Et c'est très important. Je suis vraiment proche de la nature, proche de ce que Dieu a mis sur la terre, etc. Alors, j'en entends déjà. Oui, moi, je suis agnostique. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Arrache-toi de là tout de suite. Comment tu peux ne pas croire en Dieu? Comment tu peux avoir un ego si surdimensionné pour me dire moi je suis athée ou nanani nanana? Mais d'où? En fait, le gars, il a tellement d'ego qu'il a cru que les choses se font toutes seules. Ben ouais, hein. C'est comme la caisse d'allocation familiale, le RMI, le RSA, mes couilles, machin, allocation de rentrée scolaire. Ben ça tombe tout seul, hein. Ben ouais, y a personne qui travaille pour ça. C'est comme à la Réunion, tu sais. Ma point gagne l'argent. Allez, trapoute l'argent, mon caf. Allez, ça tombait, l'argent il tombe. Non mais les gars, il n'y a rien qui tombe tout seul sur la terre. Hein. C'est... Les gens, ils me font marrer. Je les vois, les rageux, je les entends. Alors les rageux méchants, par contre, maintenant, je les bloque. Hein. Oui, je peux pas me permettre. En fait, je me respecterai pas si je bloquais pas les gens qui me disent des choses très méchantes. Je peux pas... Voilà, c'est à un moment donné, faut savoir se respecter aussi. Faut être sympa, faut être cool, faut être dans l'amour, mais faut aussi savoir se respecter. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, et qu'on a vu ces courgettes juste énormes, on va aller les cuisiner, les amis. Et vous allez voir, petite chose très simple, quand j'ai des courgettes énormes comme ça, je fais des grosses tranches, un peu comme des steaks, qui vont frire tout doucement dans l'huile d'olive. Vous allez voir, ça va être très sympa. On va aller les couper, vraiment pour faire des belles tranches comme ça. Voilà. Je vous montre à peu près les tranches que je fais. Voilà. Vous voyez, des tranches comme ça. Ça, quand c'est bien présenté à côté d'un steak, ça peut être même très bon dans un restaurant. Hein. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti carrément 3 poils. Oh là là! Oh là là! Oh là là, la courgette! Oh là là! Elle est énorme! Elle est énorme, les amis! Alors, on va mettre un peu d'huile d'olive. Voilà.
Voilà, très important l'huile d'olive quand on cuisine. Oh là là! Alors puis en ce moment j'ai du monde tous les jours dans la chambre d'hôte, tous les jours, ça fait très plaisir. Donc peut-être que les gens mangeront ce soir, je sais pas. Alors ensuite on va les disposer, les courgettes, on va les disposer comme ça, carrément, dans les poêles. Voilà. Voilà, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà. 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 Oh là là, voilà, voilà, là, voilà. Regardez ce que ça donne. Voilà. Oh là là. J'ai vu qu'il y avait encore un peu de place dans la poêle. Allez, on va en prendre une un tout petit peu plus petite. C'est pas bien gênant. Ça revienne comme ça tout doucement dans l'huile d'olive et croyez-moi, ça va vraiment être délicieux. Voilà, faut attendre patiemment. On revient dans 3-4 minutes. Je pense que ça va être pas mal. Oh là là, il y a les odeurs qui commencent à monter là. On va rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Je vais même pas mettre d'ail, d'oignon, rien. Non. Ah, je mettrai une petite échalote. Non, je vais les faire nature. Je vais rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Je vais les faire nature. À mon avis, ça va être délicieux. Car on ne sait pas trop quand retourner. Combien de minutes, combien de secondes. Et c'est comme le magret de canard. La cuisine, tous les sens doivent être mis en marche. Donc là, on écoute. Déjà, qu'est-ce qu'on entend? On entend que ça croustille. Écoutez bien, écoutez bien. Ensuite, il y a l'odeur. L'odeur. On sent une bonne odeur qui se dégage. Et c'est pas brûlé. Attention, il ne faut pas que ça soit brûlé. Il faut que ça soit juste grillé. Là, on va pouvoir les retourner maintenant. Ça fait 5 minutes, grosso modo. 5 minutes. Je suis en train de retourner les courgettes. Voilà. Oh là là. Oh là là. Voilà. Là. Bien les retourner calmement. Là, c'est retourné, regardez, c'est joli, hein? Voilà, c'est retourné, on va laisser encore 5 minutes de l'autre côté. On va rajouter un peu de sel. Moi, je prends le sel, le fleur de sel de l'île de Ré. Voilà, de manière très simple. Oh là là! Oh là là, les amis, alors ça, je peux vous dire que ça va être bon. Ça, je peux vous dire que c'est juste délicieux. Un petit peu de poivre, le poivre des familles du moulin. Voilà, on y va. Oh là là, on va se régaler, les amis. Ouais, ouais, ouais. Voilà, 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 mes amis. Oh là là. Il n'y a pas mieux. Et puis, on va pouvoir les sortir maintenant. Et à mon avis, ça, pour accompagner un steak, un magret de canard, des saucisses au barbecue, n'importe quelle viande, tu poses une rondelle de courgettes grillées comme ça à côté, c'est juste terrible. Alors ce qui est bien, c'est comme on en a fait beaucoup, on va pouvoir les congeler. Et ça, c'est plutôt très intéressant. Voilà une manière simple et rapide d'utiliser des grosses courgettes au potager. Ben ouais, allez, on les sort. Tiens, vérifier que c'est pareil des deux côtés. Voilà, elles sont prêtes. Regardez, regardez, pas compliqué. Hein. Voilà, un P. Câble. En mettre au congélateur, bien sûr. Je vais en emmener un petit peu à Mamie Nanou. Puis je vais m'en garder pour ce midi. Et puis voilà, le tour est joué. On arrive à la fin de cette simple vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je suis vraiment content d'avoir retrouvé ma santé et ma patate parce que franchement, waouh! Mais bon, gloire à Dieu. Pas de soucis, il n'y a pas de problème. Tout va bien, la vie est belle. Et puis, vous savez quoi faire avec des grosses courgettes maintenant. Surtout, vous avez vu, hein, ça se congèle très bien. On va laisser refroidir. Moi, je vais en amener à ma petite mamie. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxi. N'hésitez pas à vous abonner. La petite cloche active, la petite cloche active, la petite cloche active.
Active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Active la cloche, active... Bah, t'as compris, active la cloche, quoi. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Je vous aime.